Les amis, ici Yanamu et bienvenue à Observer Play pour ce troisième épisode. Donc je continue mon tournage, hein, toujours à la suite. Hein. Je vais tourner comme ça pendant parce que le jeu m'amuse beaucoup, donc je vais tourner pendant encore un petit peu de temps. Et donc ben, on est reparti dans nos aventures folles sur Stone Earth. Oh yeah. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là? Une bûche. Ah bon. Celui qui vous... Ah mais ils sont revenus là les mecs quoi, mais c'est pas possible hein. Je pense qu'on va faire un mur ici à l'occasion là. Bah. Bon bah on va repartir pour l'équipe d'assaut hein, je veux dire sans aucun respect hein. D'entrée de jeu on attaque. Alors le groupe numéro 3, il y a qui dedans? Il y a le fantassin. On va retirer tout le monde. On va même dissoudre le groupe. Ici donc on va ajouter le deuxième fantassin. Et on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Inutile d'apprendre maintenant qu'on a deux fantassins qui sont bien équipés. Il y a trois petits gobelins, c'est pas eux qui vont me faire peur. Ça y est, ils ont tous mangé là, les mecs. Bon, dès que vous êtes prêts, vous venez là, les fantassins. Ils sont là mes fantassins, ils sont là. Très bien, les deux ils sont là. Oui, coucou Toto. Dépêche-toi. Voilà, shit qu'il a pris directement quoi. Paf. Et paf. Paf. La hache elle fait mal. Oh. Lui il s'en va donc il laisse partir. Mais ils vont le rattraper je pense assez rapidement. Oh yes, il y a plein de trucs dans le coffre. Les loups s'échappent joyeusement des cages. Et c'est parfait. Et oui, les loups sont retournés dans la forêt, ils ont disparu quoi. Bon, on est pas mal comme ça déjà. On arrive à bien leur botter les fesses quand même. Je suis content. Alors. 11. Non. Non, rien du tout là. J'aimerais bien compter le nombre de casques qu'il y a. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 ça fait moins 3, ça fait 25. On va faire donc que des carrés de 10 par 10. Allez, du navet. De la carotte. Ah, c'est bon. Ah, du maïs. Du blé.
Ces trucs là on va les détruire. Ouais. Vous êtes prêts de venir me détruire les trucs que j'ai demandé à détruire s'il vous plaît? Ça on va la retirer. Ça on va la retirer. Et ça on va la retirer. Ici il y a un petit peu de bois qui traîne. Ils iront le ramasser à l'occasion je pense. Hop, hop, hop. Et le dernier. Hop là, parfait. Alors, on va se payer le luxe de faire de la citrouille. Du fil de soie, on va en avoir besoin de quantités absolument colossales. Voilà. Et il faut prévoir à faire repousser, donc on va faire deux petits champs de plants de chêne. Voilà! Comme ça. Bah c'est bien, t'es là-haut, Coco. Il y a le squelette là-haut. Va y rester. Je pense qu'il y a un zombie par là. Voilà. Et lui va rester là-haut hein, parce que j'irai pas le chercher le squelette. Hein. J'espère qu'il va disparaître, c'est tout. Je souhaite franchement qu'ils disparaissent. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, je suis en train de placer les coffres, donc ils vont servir à stocker la nourriture. Musique uniquement à cause de lui là, c'est ce qui me stresse chaque fois. Ouais, c'est pas grave. Voilà. J'espère que ce squelette là-haut va disparaître. Sinon je dois aller le tuer. Bon, au niveau de mes... D'ailleurs toi là, t'as pas placé ton truc, j'ai oublié de te placer le truc. Allez, mets-toi là.
Eux, vous voyez, vont commencer à stocker la nourriture dans les coffres, ce qui va réduire le nombre d'entités affichées à l'écran, ce qui va pas être un mal, je vous le dis clairement. Ensuite, on va pouvoir commencer, je pense, à placer nos petites torches. Voilà. Vivement qu'il y a un marchand qui passe. Que je refourgue un petit peu mon stock parce que j'ai beaucoup de stock là maintenant. Tout ça, ça pousse, c'est cool. Ça fait bosser les fermiers. Ouais! On va l'accepter! Geoff Farstrider. Il est bon en plus, il est très bon. Très bien, viens à la maison, Coco, hein, reste pas là-bas. Hein. Peut-être que là, je les ai mis un petit peu dans l'impasse en mettant ce torche ici, là. J'aurais peut-être dû mettre la lampe avant les coffres. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais ça semble les bloquer un petit peu quand même. Hein. Ah, ils se sont remis là ce coup-ci. Alors toi, tu tombes très très bien mon pote parce qu'on a 2-3 trucs à vendre. Ça là. Ok. Ok. Oh, des GSQ Reaper, on en a un paquet. Et ça nous fait de l'or tout ça. Mon groupe de combattants. Désire une vie de confort. On va taper les loups. Oh, comment il a fait mal. Avec la hache, ça pardonne pas. On ira s'occuper de lui après. Les louches s'échappent joyeusement des cages. Même choper de gobelins qu'il y a là-bas.
Non, c'est bon, ils les ont mis. Par contre, la torche là, ils l'ont toujours pas mise. Alors que celle-là, ils l'ont mise. Bon, ça va arriver. Bon, nous avons quelques bobines de fil d'avance, c'est bien. Alors toi, maintenant que t'as fini, il va falloir que je te forme, bien sûr. Avec moi 10 comme ça et 10 comme ça déjà pour commencer. Ce qui va nous ruiner un petit peu en pierre, hein. Mais c'est pas grave. Hein. Le but du jeu étant de fabriquer ça. On va miner tout ça, les gars. On va enlever un petit peu de pierre. On va essayer de décaillasser un petit peu tout ça. C'est quoi ça? Et voilà. Quand on veut, on peut. Bon, par contre, la torche ici, elle est en option, voilà. Clairement. Hein. Bah bon, c'est pas grave. Hein. Du coup, mon bonhomme là, il doit avoir un paquet de trucs à faire, lui là. J'ai tout vendu, donc bon, il doit avoir un gros paquet de trucs à faire. Fais-moi d'abord les coffres, s'il te plaît. J'ai besoin des coffres en premier, en priorité. Allez, on va repasser en accéléré. Hop, hop, hop. Menuisier de niveau 6. C'est bien. On est très très bien, on est très content. Hop là, le jour se lève. Terre de pierre de niveau 2. On est bien là. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Ça pas encore, un niveau 3 ça seulement. Bon bah tu peux nous en refaire 10 comme ça pour t'entraîner. Et puis on verra ce que ça donne. Me demandez pas comment est-ce qu'ils vont faire disparaître ça, j'en ai absolument aucune idée. J'ai fait le tour de la région et il semble que vous ayez débarrassé de la majeure partie des gobelins de la zone. J'ai pas que vous ne croiserez pas un ou deux traîneurs, mais dans l'ensemble, c'est du bon travail.
Un négociant. 6 petites tables, de lanternes d'extérieur refusées. Et bien alors, miner les gars. Quelle bande d'idiots. Ouais, je leur ai fait plein d'échelles, comme ça je suis sûr qu'il va y en avoir au moins une qui va rester. Au moins ce fut vite fait. Non mais je vous jure hein, les mecs, hein, sans déconner quoi. Ah non mais au moins c'est bien, ça occupe. Enlève-moi ces zones, s'il te plaît. Merci, on va maintenant pouvoir supprimer toutes ces échelles. Sérieux, franchement, moi je trouve ça rigolo. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça très rigolo. T'interviens pas toi? C'est parfait, on a une belle zone là. Voilà, on va pouvoir continuer les champs à terme. On va pas continuer ça qui mange par terre. Des gobelins. Là, les pauvres gobelins, ils ont aucune chance, quoi. Ils se font pourchasser jusqu'au bout de la forêt, quoi. Je vous disais jusqu'au bout de la forêt, j'étais pas loin. Hein. C'est bien. Continue mon pote, continue. Bon du coup mon cher menuisier, est-ce que tu m'as fait mes coffres? On dirait bien. On va faire un petit F5. Hop là, histoire d'actualiser la zone. Perfecto. Et toi, tu n'as plus rien. Oh, mais c'est magnifique. Tu vas pouvoir me faire 4 comme ça encore. Et 15 comme ça. Alors, mes coffres, tu peux m'en faire combien là? Bah 2, hein. On n'a plus de bois. Oh, 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 oh. Les gens, nous n'avons plus de bois.
Alors, est-ce que je peux commencer à planter les arbres, moi? Non, pas encore, on dirait. Alors ça, c'est vrai que c'est le truc, ça, j'ai pas compris comment ça fonctionne. Mais bon, j'y comprendrai un jour, hein. J'y comprendrai, hein. Si, si, si. Attends, il nous faut du bois. Voilà, du bois, j'ai dit. Non, parce que nous n'en avons presque plus et ça devient important. Voilà. Bon, ben les amis, c'était un petit épisode de développement. Voilà, c'est qu'on commence clairement à poser les bases de notre future maison, hein, clairement notre future civilisation. Peut-être que comme ça, ils iront poser la torche qui est là. Oui, non, peut-être. Ah ben voilà! Ah non, mais des fois c'est tout bête, hein, vous savez, hein, vraiment, hein. Ah non, mais vraiment, 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 des fois c'est tout bête, vraiment. Ah, je veux dire, sans aucun respect, quoi, le truc. Alors, on va mettre des coffres liés à nos richesses ici. On doit avoir des coffres, c'est good, on a plein de coffres. Voilà. Du calme. On va rien t'acheter à toi, si, on va t'acheter ça. Est-ce qu'on a des trucs à vendre? On a des Bugs Bunny à vendre. On a un paquet de trucs à vendre, mais c'est tout pour l'instant. Alors ces deux-là vont être pour les richesses, je pense pas qu'il y en ait... Même ces trois-là vont être pour les richesses. Et ces deux-là vont être pour les armes et armures. Je pense pas qu'il y en ait besoin de plus. Perso. Hop là. Et hop là. Yes! Yes. Voilà. Petit à petit, vous voyez, on est en train de tout exporter dans cette grande halle qui va être clairement à terme notre centre névralgique, puisque c'est ici qu'on va absolument tout faire. C'est qu'ici qu'on va donc ben, faire le forgeron, le tailleur, tout le monde va être dans cette grande halle, permettant ainsi voilà, de centraliser, je dirais, l'ensemble des ressources. Voilà. Ici, on va avoir notre mine très bientôt, très prochainement, je pense. Il faut peut-être aussi que je m'occupe de ces roches-là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on s'en occupera à terme. Ouais, à terme, on va s'en occuper. Ouais. Bah écoutez, genre, je pense, je commence à trouver notre village, notre petite ville, de plus en plus sympatoche. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons 13 habitants. Pour l'instant, nous n'avons aucun problème de lag, aucun problème de quoi que ce soit. Donc moi, ça, franchement, déjà, ça me ravit, clairement. Ça me ravit pas mal. Une fois qu'on aura évacué tout ça, là, et qu'on aura tout mis dans des coffres, je monterai peut-être le nombre de villageois possible. Je le mettrai peut-être à 15 ou 16. Jamais au-delà, on va éviter, hein. Et voilà. Bah dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Naturellement, pensez à laisser plein de j'aime, plein de commentaires, tout ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, ciao ciao les gens.